Voilà une vidéo en histoire sur la société du Moyen-Âge. Une société de trois ordres. Au Moyen-Âge, la société est organisée en trois ordres hiérarchisés. Ceux qui combattent, les seigneurs et les chevaliers. Ceux qui prient, les prêtres, les moines et les religieuses. Et ceux qui travaillent, les paysans et les artisans. La féodalité. Le seigneur doit fidélité à son suzerain, seigneur plus riche et plus puissant que lui, qui le protège et dont il est le vassal. Il construit sur son fief, ses terres, un château. Ce système de fiefs, suzerains et vassal s'appelle la féodalité. Le chevalier. Au Moyen Âge, le chevalier est un combattant à cheval au service d'un seigneur. Il est lourdement armé, il doit respecter un code d'honneur et servir Dieu. Un homme devient chevalier après un long apprentissage, au cours d'une cérémonie appelée adoubement. Maintenant, c'est à toi de jouer.